Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ce texte nous amène à nous questionner plus largement sur le fonctionnement de notre système juridique, parce que euh, rarement un État comme le nôtre aura connu une longévité, une longe, une longévité pardon, de son système juridique aussi importante que la Ve République. Cela fait 60 ans. Que notre constitution est en place, cela fait 60 ans que nous accumulons des règles, que nous accumulons des lois, des décrets, des normes, ou, et je tiens à le préciser, à le dire aussi, de la jurisprudence. Parce que souvent on parle de l'inflation normative, d'initiatives parlementaires, d'initiatives gouvernementales, force est de constater que la jurisprudence, elle aussi, est une forme d'inflation normative qui conduit à augmenter le nombre de règles, d'interprétations de la règle qui s'appliquent à nos entreprises, à nos associations, à nos collectivités territoriales. Et progressivement, cet empilement de règles, cet empilement de textes, cet empilement de contraintes nous conduit à oublier les fondamentaux de notre système juridique. Nul n'est censé, censé ignorer la loi. Et ça devient de plus en plus difficile à mettre en application. Et quand c'est difficile à mettre en application, tout ça induit une incompréhension du système de la part de nos concitoyens. Parce que quand, on ne, quand le système est trop compliqué pour être appréhendé, et bon nombre de dossiers nécessitent une technicité invraisemblable de la part des juristes pour l'appréhender. Alors, quand même les juristes ne sont pas tout à fait en mesure de comprendre ou de connaître les lois ou les textes qui s'appliquent, qu'en est-il du citoyen qui est amené à connaître une ou peut-être deux fois dans sa vie d'un problème juridique particulier eh bien, tout cela conduit à un rejet du système. Tout cela conduit à un rejet de notre système, de la démocratie libérale. Parce que nous nous, nous, nous inscrivons dans cette logique là. Nous nous inscrivons dans une logique où la démocratie, notre démocratie, est libre, elle protège les libertés, elle protège les initiatives, elle soutient les initiatives. Et progressivement. Nous sommes tombés dans un régime parfaitement administré et totalement administré, ce qui, euh, ce qui pose bien des problèmes aux initiatives euh, dans nos territoires. Alors, avec ce texte, quelque part euh, proposé par euh, euh, Pierre Cordier, notre rapporteur, proposé euh, à l'initiative du groupe euh, Les Républicains, nous vous proposons de changer de logique, de passer d'un État qui contrôle de façon tatillonne avant l'initiative à un État qui fait peser sur les acteurs individuels la responsabilité de leur choix, parce que nous préférerons toujours un État qui fait confiance aux acteurs et qui ensuite leur demande de respecter fermement les codes élémentaires de la vie collective, de l'État de droit plutôt qu'un État particulièrement tatillon avant l'initiative, particulièrement tatillon avant l'installation d'une entreprise, avant l'innovation d'une collectivité territoriale, et qui ensuite ne se donne pas les moyens de contrôler l'effectivité de la mise en application de la règle. Parce que c'est bien là le mal de notre système. Nous avons un État qui est capable d'embêter chacun des acteurs individuels de nos territoires collectivités, entreprises, associations à, à remplir des multitudes de dossiers. Demandez euh, à un maire qui aurait demandé euh, une subvention dans le cadre de la DETR ou de la DSIL, pour prendre un exemple très concret. Chaque année, il y a un document en plus à fournir. Chaque année, il y a un formulaire en plus à remplir. Mais à contrario, une fois que le projet est validé, une fois que l'initiative est validée, eh bien, euh, l'acteur est complètement déresponsabilisé. On n'a presque plus jamais euh, aller vérifier que ce qu'il a rempli dans les formulaires soit effectivement ce qu'il a mis en œuvre sur le terrain. Eh bien, nous souhaitons passer dans une autre logique, passer dans une logique où on fait confiance a priori, mais où on est beaucoup plus ferme sur le contrôle de la réalité du respect de la loi. Cela aussi contribuera à une meilleure acceptation du rôle de l'État dans nos territoires. On se couvre, l'État se couvre, sort le parapluie, sort la protection des risques, plutôt que de demander à chacune et à chacun d'assumer ses responsabilités. Et c'est là que nous vous proposons de changer de logique pour à nouveau épouser un projet de société. J'ai la chance d'être député dans une circonscription frontalière avec l'Allemagne. Et là aussi, cela nous amène à nous poser des questions importantes sur le fonctionnement de notre système. On a depuis quelques années le don en France de se plaindre d'avoir un système de l'apprentissage qui ne fonctionne pas de se dire on va tout mettre on va mettre le paquet parce que la voie de l'apprentissage est la voie royale pour l'accès à l'emploi et à l'ascenseur social ce qui est à mon sens vrai sauf qu'on ne se donne pas les moyens d'y agir. quand une entreprise prend à sa charge de prendre un apprenti sa charge financière sa charge sociale la charge en matière de temps eh bien elle n'a pas le retour de la formation de cet apprenti parce que l'apprenti va se retrouver dans l'entreprise il n'aura le droit de presque rien faire. Pourtant, en Allemagne, le même apprenti il va pouvoir faire quasiment le même travail dans son apprentissage qu'un salarié de l'entreprise. Et là aussi, c'est une différence qui est liée à l'explosion des normes tationnes qui s'appliquent à nos entreprises. Eh bien, je souhaite que nous puissions nous affranchir de ces règles tationnes pour faire confiance aux maîtres de formation, aux maîtres d'apprentissage, pour emmener notre jeunesse vers un meilleur, un meilleur avenir économique. C'est donc euh, effectivement notre système normatif et c'est aussi notre logique de surtransposition quasi systématique des directives européennes que nous questionnons aujourd'hui parce que euh, en cette année 2019 tellement importante pour les choix que nous voulons faire au niveau de l'Europe il nous faut aussi être clair et transparent avec nos concitoyens ça n'est pas le système juridique européen qui nous pose problème. Ce n'est pas le système politique européen qui nous pose problème. C'est l'utilisation, c'est la transformation, c'est le passage par le système administratif français qui rend les politiques européennes incompréhensibles. Et bien sûr que derrière un certain nombre de surtranspositions, il y a des choix politiques. Derrière un certain nombre de surtranspositions, il y a parfois de l'avance sur certaines politiques européennes. Mais ce n'est pas l'immense majorité de ces surtranspositions telles qu'elles sont perçues, comprises et telles qu'elles arrivent dans nos territoires. Enfin, j'en conclurai sur euh, cette idée que cette proposition de loi constitutionnelle portée par euh, notre excellent collègue Cordier est aussi une façon pour nous de dire que nous souhaitons que notre Assemblée, que le Parlement reprenne un rôle plus important dans le processus normatif, reprenne un rôle plus important dans le contrôle du gouvernement, parce que nous voulons bien vous faire confiance, Madame euh, la Ministre. Sauf que nous constatons que la réalité de la réduction de cette surtransposition, de la réduction de cette inflation normative, elle tarde à venir. Alors nous souhaitons que notre hémicycle soit compétent pour en juger, soit compétent pour décider qu'il faut stopper ou accélérer la réduction des normes. Et en quelque sorte, cette proposition de loi constitutionnelle, elle résulte de cette volonté de redonner à notre Assemblée de sa superbe, de redonner à notre Assemblée de sa... Compétences en matière de, de contrôle du gouvernement. Voilà, euh, mesdames et messieurs euh, les députés, chers collègues, cette euh, proposition, elle tend à rendre durable une volonté ferme, une volonté déterminée de réduire tous ces textes applicables à nos entreprises, à nos territoires, à euh, nos associations, à nos collectivités et qui empêchent l'innovation alors même que nous savons tous que le XXe siècle. Le 21e siècle sera celui de la créativité, de l'innovation, du pas vers l'avant qui nous est aujourd'hui impossible par notre système normatif.